Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Alors, on se retrouve pour la guidance du week-end du 4 et 5 février avec en plus un week-end particulier puisque nous avons la pleine lune du 5 février. Alors, elle est sous le signe du lion, la pleine lune. Hein. Alors, les amis, nous allons déjà regarder avec l'oracle de lumière. Quel beau message pour ce week-end du 4-5. Quel côté émotionnel, état d'esprit. Quel message, tout simplement. Vous avez à recevoir avec cet oracle de lumière pour le week-end du 4-5 février et notamment notre pleine lune du 5 février. Hop, et nous avons la maturité. Waouh, regardez cette carte magnifique. La maturité peut nous faire penser que on arrive certainement à un moment crucial de quelque chose que l'on a tâché, oula, tâché, je vais y arriver, hein, tâché de mettre en place cette semaine où l'on a vu d'ailleurs beaucoup de blocages, beaucoup de contretemps. Voilà, ça n'a pas arrêté de la semaine. Est-ce qu'enfin, on arrive au bout de son projet? Est-ce qu'enfin, on a la sensation d'avoir développé, d'être arrivé à maturité et de son projet et de sa réussite? Également, la maturité peut penser qu'on a beaucoup réfléchi et qu'avec le temps, on a appris à observer également les choses. Et on a acquéri davantage de connaissances, de sagesse aussi, et quelquefois de souplesse, bien entendu. On peut voir qu'on est peut-être dans un état d'esprit là où maintenant on est un peu plus léger et on arrive à prendre du recul d'ailleurs. Hein. Souvent on a peur de ce qui va, arriver parce qu'on ne maîtrise pas. Et avec le temps et avec l'âge aussi bien sûr, hein, on peut faire preuve de sagesse. On a moins de tension et on arrive à accepter en fait ce processus de maturité. Alors, l'oracle a bien entendu un message. Ah, je vais vous le lire tout de suite. Si vous avez la sensation que votre développement personnel est lent, l'oracle a un message pour vous. Patience. Un bon vin prend du temps à arriver à maturation. Le raisin a besoin de soleil, de soins, d'une récolte attentive, puis d'une préparation soignée. Plus vous serez capable de faire les choses en conscience à chaque étape, plus le résultat sera de qualité. Vous y gagnerez en tranquillité d'esprit. Rien ne sert de courir. Lorsque l'univers désire vous offrir ses enseignements avec douceur et lenteur, vous pouvez aujourd'hui vous autoriser à respirer et à souffler et à jouir de chaque marche que vous avez gravie une à une. Vous voyez, c'est ce que je venais de vous dire. Maturité d'un objet, maturité d'un projet, maturité de soi-même également. Et évidemment, il y a un petit mantra. J'accepte que mon évolution prenne du temps et je savoure chaque expérience comme un enseignement joyeux. C'est un très beau message. Maturité, preuve de sagesse également. Voilà. Beau message pour notre week-end du 4 et du 5. Alors, on va regarder avec notre jeu de 32, si vous le voulez bien, pour commencer. Alors, week-end du 4 et du 5 février. Hop. 4 et 5 février avec cette pleine lune en lion pour le 5 février. Allez, 4 et 5 février. À la coupe, nous avons petit déplacement. On va peut-être aller voir son chéri. On doit se déplacer. Ça peut être évidemment votre partenaire plus jeune que vous de quelques jours, de quelques semaines ou de quelques mois. En tout cas, il est également question, bien entendu, d'un petit déplacement avec peut-être cet homme
pour quelque chose qui démarre. Là, on a de très bonnes nouvelles qui peuvent vous concerner, vous, hein, ma consultante. Si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, ou bien tout simplement en rapport avec votre maman. De très bonnes nouvelles. Il peut être question également de votre activité du moment, hein, de ce que vous faites maintenant, de ce que vous allez faire ce week-end, ou tout simplement également avec le professionnel, peut-être qu'il y a de l'inattendu, un imprévu, peut-être qu'il y a un rendez-vous aussi pour l'activité, pour ce que vous voulez faire ce week-end, en lien avec votre maman. Allez, c'est parti pour nos 13 cartes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze et treize. Hop! Et au dos, nous avons face à face, un face à face, les amis. Un face-à-face pour lequel il va y avoir une. Eh ben, dites donc, regardez, ça parle tout seul. Oh, trois as, tout de suite, hein, vous savez très bien ce que ça veut dire. C'est un beaucoup de chance à l'horizon. Eh bien, on a un face-à-face avec cet homme officiel, c'est une belle réussite. Et il y a une signature pour vous, un engagement, ça peut être aussi une union, un mariage, hein, si on est dans l'engagement professionnel, sentimental. Ou bien tout simplement un projet qui arrive à maturité, les amis. Pour votre week-end. Joli dos de deck, vraiment magnifique. Bon, bien maintenant on va voir ce qu'il nous réserve. Alors, là des nouvelles de. Alors, nous avons une femme. Ça peut être vous si vous avez les cheveux clairs, si vous êtes blonde, ou bien tout simplement ça peut être votre fille, votre meilleure amie ou votre sœur. En tout cas, une femme aux cheveux clairs. Et il est question là de très bonnes nouvelles la concernant pour elle ou avec elle. Attention, autour de ces bonnes nouvelles, nous avons une mauvaise femme, une méchante femme. Il y a peut-être certainement de la rivalité là. Et rivalité en tout cas concernant vos projets ou rivalité sentimentale, si c'est le cas, d'accord? Bon, eh bien là, on est plutôt en face d'une collègue de travail, hein. Si vous avez de très très bonnes nouvelles qui sont arrivées au niveau professionnel pour démarrer quelque chose dans un projet professionnel. Il y a rivalité autour, il y a, on va dire, collègues, méchanceté. Maintenant, bon, elle est éloignée. Non, je ne veux pas vous dire que c'est une responsable de service, elle est trop loin du 9 de trèfle. Là, je sens plutôt une rivalité professionnelle, collègues. Bien, ça peut être dans le milieu professionnel, c'est votre activité aussi du moment, il peut y avoir vraiment de la jalousie, hein. Alors, là, on voit bien que vous démarrez quelque chose de nouveau. Donc, autour de votre démarrage, autour de votre nouvelle activité, peut-être que certains ont démarré une nouvelle activité professionnelle, et ben, bingo, vous vous rendez compte qu'il y a une femme qui n'est pas très sympathique autour de vous. Bon, et bien question en tout cas de changement. Est-ce que également vous êtes au niveau de votre activité professionnelle ou l'activité du moment, vous êtes en nouveau projet qui va vous permettre de déménager, de partir, de voyager, d'être. En tout cas, il y a du mouvement. Ça bouge pour ce week-end. Et c'est vous, ma consultante, ou une femme proche de vous qui êtes concernée. Avec votre chéri, on a là, j'ai le sentiment, un couple qui est en projet de déménagement. Avec le dos de deck qu'on a vu tout à l'heure, en plus, c'est magnifique, hein. Il y a vraiment de l'engagement. Si c'est sentimental, il y a un très bel engagement avec cet homme qui est sincère, qui vous aime, qui est vraiment, comment je peux dire, vraiment sincère. Et à ce moment-là, cette dame de carreau peut être une belle-mère, une belle-sœur, pourquoi pas, ou tout simplement une ex qui est là, hein, qui rôde. Si c'est des projets tout court, y a quelque chose de très beau qui se passe avec votre chéri. Avec certitude. Quelque chose qui, là, on voit qu'il peut y avoir encore un petit peu de blocage. Bon, on a vu qu'il y avait du blocage, mais n'oubliez pas que vous avez quand même la carte la plus forte, hein. Et qu'avec ce dos, on a vu des signatures, on a vu des choses magnifiques. Alors, il y a du blocage autour de. Ça peut être votre chéri, ça peut être la même personne. Hein, quelqu'un qui est plus jeune que vous de quelques semaines, de quelques jours, de quelques mois, ça peut être exactement la même. Ou tout simplement, il y a un blocage aussi
Qui peut être en lien indirect avec un homme qui habite au lointain ou un homme qui peut-être bloque là ou a bloqué la situation. En tout cas, pour moi, rien de bien méchant, hein, parce que franchement, avec le dos que vous avez, là, il peut être question également d'un grand changement ou de vouloir, si c'est un domaine sentimental, aller voir votre chérie ou vous en rapprocher en tout cas. Et peut-être que vous vous êtes retrouvé un petit peu bloqué, la distance. Sans doute, est un peu loin. Ou bien c'est lui qui est un peu loin également. Il y a quelque chose de beau sentimental, un nouveau démarrage, une nouvelle histoire d'amour peut-être qui démarre pour certaines personnes. Mais on sent qu'il y a encore une tierce personne autour de cette histoire, hein? Une femme, bien entendu, en l'occurrence. Et ce chéri, peut-être qu'il habite un peu plus loin, hein? Qui a peut-être de la route à faire. Excusez-moi, je bois un coup. J'avais préparé une infusion. Je ne l'ai même pas vu. Alors, je vais en mettre un sur le 9 de pique. Mais pour moi, elle n'est pas grand, sans grande incidence. Je pense que pour certaines personnes, comme nous sommes également le week-end, il y a peut-être un déplacement de prévu ou un déménagement ou un changement. Vous allez voir cet homme d'ailleurs. Il peut y avoir un petit blocage, quelque chose qui vous freine. Bon. Le petit blocage, il vient de ce déplacement. Alors attention, c'est peut-être le déplacement qui va poser un problème. Style, tout bête, panne de voiture, un souci pour vous déplacer, vous allez avoir un petit problème qui va certainement vous empêcher justement de vous déplacer pour aller voir cet homme qui est au lointain. Bon, allez, on réunit tout ça. Ah non, je n'ai pas fait les associations. 7, 1, 2, 8. Ton, 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 ton. 9, pom, 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 pom. 1, 2, 2, 2, 2, 3, ah, 3, 9. Les 3, 9, on est encore des efforts à faire. Il faut persister un petit peu. Oui, c'est vrai qu'on a vu qu'il allait y avoir qu'il y a ce petit 9 de pique. 10, 1, 2, 2, 2, 2. Alors, valet, dame, 3 dames. Il va s'en dire rivalité, hein, amitié, prudence, attention, attention autour de vous, domaine sentimental, à une femme vénale, attention dans la vie de tous les jours, dans vos projets, à une jalouse, on vous jalouse. Et roi, il n'y en a que deux. Bon, allez. Votre fille, votre meilleure amie, votre sœur, elle a des projets. Où c'est vous si vous avez les cheveux clairs? Projets sentimentaux ou projets tout court, hein? Alors, il y a quelque chose qui est bloqué. Concernant un déménagement ou concernant un déplacement que vous devez faire, pas loin de chez vous, qui concerne vos projets sans doute de déménagement. Il va y avoir un petit couac dans ce déplacement. C'est pour vous, ma consultante, avec certitude. Et on voit très bien qu'il est question d'activité, activité du moment de votre vie ou activité professionnelle liée au lointain. Il y a quelque chose de très beau qui se présente à vous, de très très bonnes nouvelles, mais attention. Autour de ça, il y a une femme vénale. On voit très bien ici, ça peut être votre chérie, la même personne, ou en tout cas, il y a un démarrage, il y a quelque chose de nouveau qui a lieu, qui se met en place pour vous, avec votre chérie, quelqu'un qui vous aime. Hein. Ça peut être la même personne, ou bien tout simplement, il peut y avoir aussi en lien avec cet homme, le projet, le démarrage de quelque chose. Voilà, ben, je trouve que c'est plutôt un beau tirage pour le week-end, avec des émotions forcément pleine lune qui peuvent être décuplées, ne pas l'oublier. Allez, on va regarder avec le nouvel oracle Lenormand. On va faire un petit tableau de 6 cartes pour voir un petit peu. Week-end du 4 et du 5 février. Week-end du 4 et du 5. Eh ben, dis donc, ça vole et ça vole. Et c'est le déménagement, le déplacement. Hein, la cigogne, c'est l'envol. Avec les étoiles, on est guidé par sa bonne étoile. Waouh, et ça a voulu. Là, on est sur une orientation, quelque chose qui me dit que vous êtes sur la bonne voie, il y a du succès par rapport à des déménagements, des déplacements, voire un voyage. Il peut être question également de grossesse dans la maison, dans le foyer. De naissance, plus exactement. Allez, à la coupe, nous avons, bah, tenez, quand on parle déménagement, mouvement, le bateau,
Pour vous, mon consultant. Alors, il est peut-être question d'un homme là qui va voyager ou qui veut voyager ou qui est en route pour venir vous rejoindre aussi. C'est puisqu'on a pu voir. Il y a un changement en vue, en tout cas, pour ceux ou celles d'entre vous qui regardent cette vidéo. Et il va être question de trouver un certain équilibre, de s'ancrer dans quelque chose et c'est lumineux. C'est une belle réussite puisque nous avons le soleil. Vous êtes très attaché également, certainement, à un homme, à une femme, à un homme, femme, on s'en moque, on inverse tout. Je veux dire, vous êtes très attaché sentimentalement avec quelqu'un et c'est très, très lumineux. Vogue, vogue, l'aventure. Allez, hop. 1, 2, 3. J'espère que vous allez bien les voir parce que elles sont grandes. Toc et toc. Week-end du 4 et du 5. Hop. Alors, ce que je vais faire, comme ça, fais de la place. Comme ça, je suis assurée que vous les voyez. On va toucher la petite sorcière. Hop. Alors, au dos. Et au dos, nous avons le soleil. C'est lumineux, ça brille. Vous allez avoir des informations qui vont vous. Des informations sur le domaine financier d'ailleurs. Hein, et on va pouvoir discuter. Il y a de la discussion. Discussion lumineuse en acte. Regardez ça. En acte, on signe, on fête, on fait la fête. Travail d'équipe pour certaines personnes. Travail avec des signatures. Il y a du monde, il y a de l'engagement. Il y a peut-être la fête. Hein. On a vu qu'il pouvait être question d'union. Je ne sais plus avec le 32, le dos. Il peut être question de mariage, d'union, de Pâques. On fait la fête. De réussite, c'est magnifique. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, déjà, nous avons le chemin. Avec le chemin, il est question de prendre une direction. Ça peut être une direction nouvelle. Ça peut être tout simplement à vous. Il est peut-être temps, question de prendre aussi une décision. Pour certaines personnes, vous pouvez être à un carrefour important de votre vie qui fait que là, il va y avoir deux options qui s'offrent à vous. Je rigole toute seule de mes bêtises, excusez-moi. Deux options qui s'ouvrent à vous. Alors, sur les options qui s'offrent à vous, il y en a qui vous bloquent. Vous, ou alors, vous avez, vous, le sentiment d'être bloqué par rapport à certaines décisions que vous devez prendre. Bien sûr, c'est pas forcément tout n'est pas forcément bloqué parce que comme je venais de vous le dire d'ailleurs, vous avez deux solutions, deux propositions éventuellement qui s'offrent à vous, deux choix, décisions à prendre. Mais peut-être que sur une des deux, ça bloque, ça coince. Il peut y avoir des obstacles qui se présentent à vous et qu'il va falloir faire tomber. Après. N'oubliez pas, moi je vous ai déjà dit que la montagne, bien sûr, ça relève d'un obstacle. Ça freine une progression. On doit encore faire des efforts. On l'a vu tout à l'heure, des efforts encore à faire. Certainement que pour la direction que l'on veut prendre, il y a encore des efforts à faire. Peut-être qu'il y a encore un souci de rentrée d'argent. Peut-être qu'on se retrouve un petit peu difficulté fatigante au niveau travail, activité harassante. Et peut-être également que si c'est dans le domaine sentimental, on se dit on est dans une impasse, on est bloqué. Effectivement, on peut avoir le sentiment d'être, comment on appelle ça, alors, les nuages, on dit qu'elle est négative, mais pas que, hein. Évidemment, on peut simplement se dire qu'il y a un mauvais moment à passer. Là, on est tourmenté. Je cherchais mes mots. On peut se retrouver tourmenté. On peut se retrouver un petit peu perdu, tout simplement, également, parce que justement, on a le sentiment de tourner en rond, de pas avancer avec cette montagne. Pour certaines personnes, vous allez avoir, en fonction, vous l'adaptez en fonction de votre situation, bien entendu, le sentiment d'avoir des obstacles sur votre route qui vous mettent dans la tourmente, de ce fait, qui vous perturbent. Vous allez vraiment avoir l'impression d'être obligé d'hésiter, d'avoir une décision, mais qui pour vous est ambiguë, vous plaît pas des masses, et c'est ce qui fait que vous hésitez en fait. Hein. Après, bien entendu, si c'est dans le domaine sentimental qu'on va revoir après,
On vous dit de ne pas prendre de décision hâtive, hein, attention. Pour certaines personnes, peut-être aussi qu'il y a tout simplement, on vous dit attention, prudence, si je pense notamment au domaine financier. Attention, prudence, surveillez votre compte, n'investissez pas tout de suite. Alors, il va être question pour certaines personnes de faire un deuil de quelque chose sur la situation, sur l'événement. Et c'est peut-être pour ça que vous hésitez à prendre une certaine décision. Le cercueil, c'est également la transformation. Moi, je ne le vois pas toujours négatif. Bien sûr qu'il peut être négatif pour certaines personnes. On voit très bien que par rapport à vos décisions que vous devez prendre, vous êtes tourmenté parce qu'il y a des obstacles. Et les obstacles sont peut-être le fait de laisser des choses derrière vous. Si c'est financier, par exemple, il peut être question de toucher à de l'argent qui était épargné. Tout simplement, et c'était pas prévu. On est obligé de toucher à son petit bas de laine. Si c'est professionnel, ça peut être la fin également de quelque chose. Là, on a ou une démission ou un renvoi. Il y a quelque chose qui nous met vraiment dans la tourmente. Maintenant, ça peut être également tout simplement cette décision de se dire j'arrête, je mets fin à quelque chose qui va me permettre aussi de me transformer. Parce que ça peut être une décision qui est négative, mais ça peut être aussi une décision qui amène une transformation. Hein. Là, on voit très bien qu'il y a quelque chose quand même concernant une décision qui fait vraiment très, très, comment je peux dire, très peur et qui vraiment vous met dans la tourmente. Hein. On voit que bon, après, comme je vous disais, on peut, pour moi, ça peut annoncer aussi la fin des difficultés. D'où cette histoire de transformation d'ailleurs. Regardez. La fin des difficultés, pourquoi ? Tout simplement parce que les obstacles sont levés et que l'on peut se permettre d'avancer. La cigogne, c'est bien ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, c'est une bonne direction, c'est une amélioration. C'est notamment pour certaines personnes, ça peut être le changement tant attendu aussi avec cette cigogne. Alors, bien entendu, on voit qu'il y a eu des obstacles, on ne va pas se mentir, mais avec ce cercueil, on peut penser que les obstacles, en fait, ils vont être levés. Et vous allez pouvoir l'amorcer, votre changement. Vous allez pouvoir amorcer, si c'est dans le domaine sentimental, un heureux événement. Vous allez pouvoir démarrer quelque chose. Là, on voit que vous allez profiter de mettre... profiter de démarrer quelque chose de nouveau. Tout à l'heure, je disais qu'il peut y avoir eu, être obligé d'utiliser de l'argent qui était caché. Enfin, caché. Pas caché, mais mis en bas de laine, mis de côté. Obligé sûrement de l'utiliser. Et on voit que ça va permettre effectivement d'augmenter son capital de réussite. Hein. Peut y avoir une belle réussite aussi au niveau professionnel qui était bloquée, en lien peut-être avec l'étranger d'ailleurs. Hein. En tout cas, là, on voit qu'il y a des changements. La cigogne, elle annonce des changements doublés renouveau. Et voilà, les changements, c'est du mouvement qui arrive. Tout à l'heure, on le voyait bien ce bateau. Hein. Donc, effectivement, on va pouvoir choisir une destination. Vous allez effectivement prendre peut-être pour certaines personnes une décision en rapport avec peut-être les voyages, peut-être aussi un itinéraire, un choix que l'on doit faire. Alors, ce choix, on voit qu'il était là, qu'il met dans la tourmente, ça peut être en lien avec un grand changement, hein, une grande transformation. Hein. Là, on voit très bien cigogne, deuil, bateau, une grande transformation qui se présente pour certaines personnes dont il est question. D'ailleurs, de toute façon, nous l'avons vu toute la semaine. Et là, on voit très bien qu'il est là. Et on est, je pense que peut-être le projet, là, vous-même, arrivez à maturité. Et là, on voit très bien qu'il peut y avoir un changement radical. Et ce changement radical, pour certaines personnes, il est de partir, tout simplement. On y va, on se déplace, on émigre. Pour d'autres, bien entendu, il peut être question aussi tout simplement d'un changement négatif en rapport peut-être avec le professionnel, en rapport peut-être avec un choix aussi difficile qu'il a dû être fait. On a pu le voir tout à l'heure. Bien, allez, on va en remettre 3.
pour ce week-end du 4 et du 5. Alors, bien entendu qu'il y a l'encre, c'est tout à fait normal. On est lié déjà à son projet, à ce que l'on veut faire, à la personne aussi hein, que l'on, que, avec lequel on prend une décision et on met quelque chose en place. Mais il y a également cet équilibre que l'on recherche. Hein. Alors, on voit bien que par rapport aux obstacles que l'on va lever d'ailleurs, il y a un équilibre qui revient peut-être au sein familial également. Être question d'une naissance hein, qui a eu lieu, qui était là, hein, qui a peut-être d'ailleurs eu peut-être quelques soucis cette naissance, des angoisses, des voyez comment ça vous parle, mais en tout cas on va retrouver son équilibre. C'est pour vous ma consultante. Ça ne peut pas être mieux. Il est bien question de nouvelles que l'on attend, de nouvelles que l'on va recevoir d'ailleurs. Alors, si c'est dans le domaine professionnel, il s'agit bien des documents de travail qui vont arriver, qui vont vous permettre de mettre fin à quelque chose ou d'avoir cette transformation tant attendue. D'ailleurs, peut-être que vous partez, que vous souhaitez changer professionnellement, parlant bien entendu. Pour d'autres, si c'est vos projets qu'on a vus qui étaient en attente, qui ont été, il y a eu un choix qui va être amené pour vous, ma consultante d'ailleurs, et ce choix va vous amener à subir, je pense, une belle transformation d'ailleurs, hein, et ce qui explique que vous êtes là d'ailleurs, et qui explique que après cette décision, ce revirement que vous allez devoir prendre, parce que pour certaines personnes, il y a une décision, peut-être qu'il y a un revirement de décision qui arrive, sans doute parce qu'il y a de nouvelles informations qui vous sont amenées, des courriers qui arrivent ou d'autres documents que vous allez prendre connaissance qui vont vous permettre ce revirement de situation. Voilà déjà ce que l'on pouvait voir pour en première avec ce jeu. Avant ce domaine sentimental. Mais moi, je pense qu'il est également question peut-être de se stabiliser, de s'ancrer pour quelque chose que l'on est en train de préparer. Et je vois l'équilibre qui est là par rapport peut-être à un déménagement, à un déplacement, un voyage également. Pour certaines personnes, vous pouvez également faire... Alors, un aparté, il peut être question de faire un déplacement qui n'est pas toujours très agréable, qui ne va pas forcément être très agréable pour vous, hein, ma consultante, en rapport avec des nouvelles que vous allez recevoir qui viennent peut-être de l'étranger, qui viennent de plus loin que de chez vous et qui risquent un petit peu de vous perturber. Alors, on va regarder maintenant. Hop! Avec notre petit Lenormand sentimental, nos petits cœurs, on va regarder un petit peu la sphère sentimentale pour ce week-end du 4 et du 5. Hop, week-end du 4 et du 5 février, pleine lune émotionnelle pour qui est en Lion. Nos amis Lions vont être plus impactés, bien entendu, mais pas que. Alors, hop. Week-end du 4 et du 5 février. Hop. Sentimentalement. Attention pour certaines personnes, vous risquez de rencontrer quelqu'un qui peut à ce côté, on va dire, filou. Je cherche mes mots pour pas être à ce côté, on va dire, flatteur. En tout cas, il est peut-être question, ami célibataire, d'un flatteur qui va chercher à vous séduire. Voilà, je cherchais vraiment mes mots. Mais attention, prudence, il y a quelqu'un qui porte un masque là. Et c'est peut-être dans les couples également, à un moment donné, j'ai l'impression que on va cacher ses vraies motivations. Bon, on va... Pas oser tout dire. Le renard, il est là aussi en se disant « Je suis méfiant, je suis en train d'observer un petit peu ma situation sentimentale. » Allez, bah on va en prendre... je sais pas, je vais me laisser aller. Allez, on en prend 5.
Hop. Alors, au dos, nous retrouvons cette croix, ce chemin, pardon. Alors, ce chemin me fait dire que par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, effectivement, on est en train d'observer. On observe la situation, on est méfiant dans notre, pour certaines personnes, dans notre relation sentimentale, dans ce charmeur peut-être, ou charmeuse, hein, que l'on vient de rencontrer. Et c'est un coup de chance, c'est de l'inattendu, bien entendu. Ça peut être perçu comme ça d'ailleurs, hein. Et ce qui fait que la relation sentimentale va peut-être prendre une autre tournure. On s'envoie beaucoup de messages, il est question d'avoir beaucoup de nouvelles, mais attention, prudence, il peut être question de la croisée des chemins, pas forcément des nouvelles très sympathiques si l'on a croisé quelqu'un qui est un petit peu filou et qui était charmeur, comme on a pu le voir tout à l'heure. Alors. Nous avons notre jardin. Notre jardin peut nous faire dire que vous avez envie là de faire la fête. Vous avez envie de sortir. C'est peut-être le moment d'ailleurs hein, pour certaines personnes de faire la fête. Même en couple hein, d'ailleurs, on a peut-être des envies de fêter quelque chose. Le jardin, c'est également les rencontres, l'espace public. Alors, on a pu voir tout à l'heure qu'avec ce renard et pour vous, monsieur, vous allez peut-être faire une rencontre également lors d'une sortie, d'une réjouissance quelconque. Ah, ça bouge, ça bouge. Est-ce que cette rencontre va avoir lieu ou peut avoir lieu aussi lors d'une sortie, lors d'un déplacement? Pour certaines personnes, ça peut être aussi lors d'un voyage. Il peut être question également de prendre des vacances. On en profite. On a envie de partir, de projeter, de partir en vacances. Il peut être question de faire très attention également lors des rencontres. Lors des rencontres, je pense plus aux célibataires là. Lors des rencontres possibles, lors d'un déplacement, que ce soit éphémère, style pas très sérieux, d'où ce renard qui revient en boucle. Il peut être question de partir, de vouloir passer des vacances. Et franchement, c'est lumineux, ça brille, ça réchauffe. On va passer de bons moments ensemble. Certains célibataires vont bien faire une rencontre lors d'une sortie et visiblement, il y a des bons moments qui vont être passés. J'ai envie de dire, la chance, on a vu le trèfle tout à l'heure, la chance de rencontrer quelqu'un, l'opportunité de rencontrer une personne. Alors, là, on voit très bien également qu'il est question de partager de très très bons moments et peut-être d'en apprendre plus les uns sur les autres, l'un sur l'autre, d'échanger en tout cas beaucoup d'informations sur soi ou sur l'autre. On va apprendre également beaucoup sur sa relation. Alors, il y a des beaux échanges. Pour les célibataires, on est toujours dans ce côté où cette rencontre qui peut être inattendu, hein. On a vu ce trèfle, donc vraiment ce côté un petit peu surprise. Et attention avec des relations qui peuvent être ou cachées ou quelque chose. Tout n'est pas dit, il y a du non-dit. Il peut être question de partir de projeter, de partir, mais avec une relation, là je pense, j'ai plus envie de parler au triangulaire, là. On voit très bien qu'il y a un secret enfoui, il y a une relation qui est enfouie, là. On a peut-être, bah, vous voyez, on retrouve notre renard, donc on est bien sur quelque chose de. Là, j'ai l'impression qu'on vous demande peut-être d'être méfiant dans votre relation pour certaines personnes, parce que on sent qu'il y a une non-confiance. Il y a même, j'irais jusqu'à même dire risque de tromperie lors peut-être d'une sortie, lors d'un voyage, lors d'un grand déplacement. Ce renard, j'ai l'impression qu'il y a une des deux personnes qui joue à cache-cache là et qui cache sans doute aussi ses vraies motivations. Alors ça, c'est ce que, évidemment, c'est ce que l'on peut voir, mais vous pouvez aussi être ce renard, hein. Vous pouvez aussi ben, peut-être tricher, j'ai envie de dire, entre guillemets, dans cette relation. Vous pouvez également, sans doute,
J'ai l'impression que, est-ce que vous n'allez pas aussi, certains, être malins, j'ai envie de dire, rusés, et découvrir, en fait, découvrir, j'ai envie de dire, des choses qui vous ont été cachées, lors peut-être d'une sortie, lors peut-être d'un contact où il y a du monde, peut-être lors d'une réjouissance, hein, parler avec d'autres personnes, découverte de secrets, découverte de mensonges. J'ai le sentiment qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière là. Ce que l'on peut voir aussi, c'est que par rapport à cette sortie, cette envie, j'ai envie de dire, de faire la fête pour certaines personnes, on peut se retrouver avec évidemment un événement également qu'on a caché, mais qui peut être mis en lumière aussi. On peut se retrouver aussi, il peut y avoir une relation, tout simplement dans le domaine professionnel, ne l'oublions pas. Un peu mis de côté cet aspect aussi. Il peut y avoir une relation cachée dans le domaine professionnel. On peut voir aussi qu'il est peut-être question de voyager de ce fait avec, en lien avec le professionnel et voilà, on va en profiter ou bien on met ça sur le dos du professionnel, d'où ce côté caché des choses également. Que dire d'autre? Bon, on voit quand même que ce soleil, il est là hein, pour certaines personnes, donc tout n'est pas négatif, bien entendu, et tout le monde ne va pas non plus à découvrir des choses qui sont cachées. Hein. On peut tout simplement réussir aussi, peut-être par des moyens qui sont non conventionnels, mais il y a une peut-être une, on est passé par une petite porte pour réussir également ce que l'on veut, réussir son projet, son projet aussi sentimental, la maturité. N'oublions pas cette carte de maturité. Hein. Il peut être aussi question d'un beau changement positif que l'on peut voir également là, avec des, en fait, des révélations qu'on a parlé hein, à deux. Enfin, on réussit quelque chose par rapport à des événements heureux. On voit également un heureux événement, mais tout à l'heure, on pouvait l'avoir vu également avec la cigogne. Hein. Quelque chose de très positif aussi qui peut arriver dans le domaine sentimental. On projette également des déplacements. Voilà ce que l'on pouvait voir avec ce petit oracle. On va en prendre une avec Dis-moi que tu m'aimes pour voir un petit peu, non, mais on va même en prendre deux d'ailleurs, pour le week-end du 4 et du 5 février. Donc, comment on est un petit peu émotionnellement avec cet oracle, Dis-moi que tu m'aimes pour le 4 et 5 février, donc pour notre pleine lune aussi du 5, voyons voir. Hop, alors. On va en prendre deux. Et nous avons effort, fatigue, lassitude. Alors, effectivement, on a pu voir qu'il était question, regardez ça comme c'est magnifique. On a pu voir effectivement qu'il était question de faire des efforts. On a peut-être fait aussi des efforts hein, pour sa relation, évidemment, pour arriver à sortir de tous ces. On a vu ces mensonges, on a vu ces choses, on va dire, ces masques qui tombaient ou qui étaient encore là, ces choses qui étaient cachées. Peut-être qu'on est fatigué aussi de tout ça et que l'on a envie d'en sortir. Alors, nous allons lire un petit peu. Qui t'a vendu que la vie était un fleuve tranquille? Car il n'en est rien. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour enfin comprendre que trop d'efforts tuent celui qui les fait. Il faut que tu comprennes que tes efforts n'ont pas servi à rien, mais plutôt qu'ils te montrent maintenant les véritables limites de ton histoire de couple, de celle de ton ou ta partenaire, et plus important encore pour ton futur, les tiennes. Rassemble les dernières forces pour un dernier ultimatum de bon sens. Si tu veux encore sauver ton couple, faire appliquer de vrais changements. Sinon, ne perds plus de temps à jouer la comédie et assure des choix nouveaux. D'où ce renard, les amis. Le courage se cache souvent très longtemps derrière l'hyperactivité et le surmenage.
Alors ne te laisse pas bouffer jusqu'au burn-out avant de prendre et d'assumer la décision de vivre de nouveau ta liberté pleinement. C'est totalement ce que l'on a pu voir avec notre petit jeu, hein, ces petites choses sous-jacentes cachées que vous essayez peut-être d'ailleurs de sortir de ça. Alors, il y a un petit message supplémentaire pour les triangulaires. À force de courir plusieurs lièvres à la fois, tu te retrouves démuni de force, de courage et de foi. Tu dois maintenant relever la tête et regarder plus loin, là où tes yeux ne se sont pas encore posés, là où sont les vraies prises d'amour, celles que tu mérites. Sinon, tu ne pourras pas voir venir à toi le meilleur. Ça reflète tout à fait le tirage que nous avons fait. Hein. Deuxième message à recevoir, aide, soutien et ancrage. Alors, ancrage, nous avons bien vu, effectivement, je la montrais comme ça que vous puissiez la voir. On a bien vu ces ancres à un moment donné. On a vu qu'il y avait un équilibre aussi qui pouvait revenir. L'aide, effectivement, rien n'interdit de demander aide. On a vu le jardin tout à l'heure, effectivement. On pouvait très bien aussi demander de l'aide, du soutien auprès de ses amis. Bien entendu, c'est tout à fait autorisé. Alors, on va regarder un petit peu ce qui s'y réfère. Aide, soutien, ancrage, c'est le cerf-volant qui a toujours besoin d'une ficelle pour ne pas s'envoler trop haut. C'est une image, mais c'est tout à fait ça. Alors, dans une relation de couple, il est nécessaire d'avoir un pilier d'amarrage bien solide. Ce rôle peut s'interchanger car il n'appartient à personne. Pourtant ici, l'un ou l'une des deux partenaires n'est apparemment pas assez ancré dans la réalité de la vie et de sa vie de couple, ce qui lui sera très certainement rapidement reproché. Tu dois par amour être plus tolérant, particulièrement en cette période envers l'autre, si tu veux prétendre à être entendue ou comprise. De même que si tu es dans la situation inverse, tu dois avoir la patience de soutenir l'autre dans ses épreuves. Pour le meilleur et pour le pire, à chacun chacune son tour et à tour de et à toutes, de s'entraider au lieu de se juger. C'est exactement ce que l'on a vu, l'ancrage, l'ancre, l'aide, le soutien. Petit message en plus pour les célibataires et les triangulaires. Un ou une amie sera un allié de choix pour t'aider à avancer de nouveau dans ta vie sentimentale et t'ouvrir les yeux sur la réalité. Il ou elle sera de bons conseils. Tu dois lui faire confiance car son regard et son analyse sont les bienveillants. Je vous ai dit qu'on pouvait rencontrer et demander lors d'une sortie auprès d'amis une aide, un soutien. Voilà en tout cas tous ces beaux messages pour ce week-end du 4 et du 5 février. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé, vous parlera, vous aidera. Merci pour votre soutien, merci du pouce j'aime qui valide le fait que ma guidance vous a plu. Merci en tout cas pour toutes vos bienveillances. Je vous souhaite pour ma part un excellent week-end et je vous dis à bientôt.